Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième flashback d'été dont on n'a rien préparé. Le podcast d'Impro Bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel, je serai votre présentatrice du jour pour introduire le deuxième flashback des aventures de Sibyl et Monsieur, la saga JDR de l'été. Et oui, dans le premier flashback dont on n'a rien préparé, vous avez pu vous régaler avec les trois premiers épisodes des aventures de Sibyl et Monsieur, depuis un accident de skateboard malheureux jusqu'aux contrées désolées du royaume Ovin. Aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième partie de cette saga rôlistique qui pourrait bien mener jusqu'à la destruction même du monde. Je vous rappelle le principe. Hicham et Iso se lancent dans une improvisation qui raconte la suite des aventures de Sibyl et Monsieur. Quant à moi, je peux à tout moment interrompre l'improvisation, lancer un dé et voir où celui-ci les mènera. Le tout pour pimenter leur aventure, faire des rebondissements imprévus et empêcher qu'on ne prépare trop nos impros. Sans attendre, je vous laisse avec l'épisode 4 des aventures de Sibyl et Monsieur. Le mot de départ était manchot. Attention, ça commence maintenant. Poussez-vous! Ici, elle ne me retrouvera jamais! Alors, monsieur est parvenu à s'isoler. Est-ce que Sibyl va parvenir à le retrouver? Eh bien, oui, elle parvient à le retrouver, mais elle le fait en s'échouant sur la plage près de laquelle monsieur s'est abrité. Donc, elle est seule sans sa suite, sans son équipement, sans quoi que ce soit, démunie. Monsieur, s'il vous plaît, revenez. J'ai changé d'avis. S'il vous plaît, me laissez pas toute seule comme ça. J'ai peur des canards sauvages. Et j'ai peur des chauves-souris dressées aussi. Et j'ai peur des écureuils domestiques. S'il vous plaît, monsieur, venez à mon aide. Ah mon Dieu, un écureuil domestique, non! Alors voilà la situation. Donc, monsieur est dans sa cabane d'un côté, Sibyl appelle à l'aide de l'autre côté, quand soudain, première carte d'imprévu, une vision du futur. Donc nous allons voir, juste pendant genre 15 secondes, une micro-scène qui se passe dans le futur de ces deux personnages. Et après, nous reviendrons au présent. Attention, c'est parti pour le futur. Pardon, Sibyl, pardon. Cette trahison ne sera pas sans conséquence, monsieur. Je suis vraiment désolé. Lâchez ce manchot, s'il vous plaît. Et nous revenons au présent. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, petit écureuil domestique? Monsieur, que tu cherches? Oui, c'est lui que je cherche. Ah, il donne toujours plein à manger, je sais où il est. Peut-être que si je t'amène à lui, il m'amènera à manger. Oui, mais vas-y lentement, je vais devoir ramper parce que je n'ai plus beaucoup de force. Bien, c'est par là. Ça sable est très froid. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je ne lâcherai plus jamais. Sibyl, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous devriez passer et tourner la page et faire autre chose de votre vie. Mais c'est la force de la nature qui nous a réunis, monsieur, cette fois. C'est le destin. C'est le règne animal qui nous réunit, vous rendez-vous compte? C'est le hasard, Sibyl. C'est juste qu'une fois de plus, j'ai essayé de m'isoler et donc ça échoue. Tout ce que j'ai essayé échoue.
Mais non, mais ne dites pas ça. J'ai entendu parler de vos prouesses dans mon royaume qui maintenant est fort étendu. À deux îles au lieu d'une. Mes prouesses? Oui, on m'a conté comme... Rentrez, vous allez attraper la mort. On m'a conté comment vous parliez de mes louanges. On m'a tout dit. Alors, monsieur et Sybille s'installent pour se raconter plein de choses, mais soudain, les personnages reçoivent deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Alors, c'est à moi de décider quelle est la bonne et la mauvaise nouvelle que vous allez recevoir. Attention, c'est parti. Mais je sais tout ça, je sais. Et je sais que maintenant vous voulez refaire partie de mon royaume, on me l'a dit. Ce sont des racontards. Encore. Oui. Sybille. Ah, Sybille, oui. Les manchots ont pris le pouvoir. Non, ce n'est pas possible. Sybille, je n'ai rien à voir avec ça. Si vous voulez retourner à vos affaires, faites-le. Je pense même que c'est peut-être sans doute mieux pour vous et pour moi que vous repreniez la route. Bon, d'accord, je vous ai raconté des bobards, c'est vrai. Vous n'avez jamais chanté mes louanges et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais ce que je veux, c'est que vous reveniez dans mon camp pour être mon armurier. Non. Mais si, voyons, c'est ainsi que il n'en est nous pas question, Sybille. Il n'en est pas question. Ça va totalement à l'encontre de mon éthique scientifique. Moi, j'observe les choses. Je ne tue pas des gens. Vous avez promis de m'aider dans ma réussite quand je me suis inscrite à l'université. Dans votre réussite académique. Cette trahison ne restera pas sans conséquence, monsieur. Lâchez ce manchot, Sybille. Lâchez ce manchot. Je suis désolé, mais lâchez ce manchot. Alors. Ce manchot, je l'ai pris comme échantillon. Utilisez-le et faites-en une arme pour vaincre ce peuple qui vient m'envahir. Son bec est planté dans mon foie. Oh non, monsieur. Mais qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait? Oh, je sens. J'ai froid. Ah, j'avais déjà froid avant. Mais j'ai plus froid. Sybille. Oui. Le médecin au vin est là aussi. Il pourrait peut-être l'aider. Au vin? Je vous en prie, sauvez-le. Alors, c'est n'importe quoi. C'est un épisode particulièrement riche en rebondissements, on va dire. Donc je vais lancer un nouveau dé pour savoir si le médecin en vin parvient à sauver, à monsieur, sauver monsieur, ça, monsieur. On en est là. Et attention, non. Non, le médecin en vin ne parvient pas à sauver monsieur, mais il parvient à transférer la conscience de monsieur dans son écureuil domestique. Oh non ! On continue, ce sera probablement la fin de cet épisode déjà très très riche. Dieu merci. C'est parti. Sybille, je peux vous parler, Sybille. Dites-moi, dites-moi. Le patient a très mal réagi. Oh non ! Et la seule solution que j'avais, c'est d'utiliser son écureuil. Un écureuil domestique, non ! Oui, ma reine, je sais que vous êtes effrayée par tout ça, mais c'était la seule solution. Sybille ! Sybille ! Ah ! Peut-être... Après cet épisode 4 qui a vu prendre place des rebondissements plutôt inattendus dans les aventures de Sybille et Monsieur, il fallait faire une ellipse. C'est pourquoi j'ai décidé, à l'épisode 5 de cette merveilleuse série, de faire un bond en avant. Et je vous laisse sans plus attendre avec ma voix du passé, qui va introduire les événements qui ont mené à l'épisode 5 des aventures de Sybille et Monsieur. C'est parti. C'est la guerre. Le gouvernement ovin, privé de la bergeronne Sybille, est divisé et gangréné par la corruption. Les hordes manchottes des glaces éternelles déferlent. Une légende prétend qu'au cœur de la laine se trouve un fil, un espoir. Il paraît bien près de se rompre, mais pourrait tout briser ou tout lier. Encore faut-il le retrouver. Sybille et Monsieur sont partis en quête de ce fil, dans un empire ovin dévasté par la guerre qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour cet épisode, je me suis armé d'un
tableau des rencontres aléatoires. Hmm. Et à tout moment pendant la, j'allais dire la séance, pendant l'impro qui va suivre, je pourrais lancer un dé sur ce tableau pour voir quelle rencontre aléatoire vous allez faire dans les terres dévastées du chaos et de l'empire ovin privé de la Bergeronne Sibylle. Attention, c'est parti. Terrifie ! Mais je suis fatiguée, monsieur, je suis fatiguée. Ah, mais Sibylle, vous... C'est comme ça. Et au bout d'un moment, il faut prendre vos responsabilités. Vous avez abandonné vos responsabilités pour courir après vos démons, apparemment moi. Eh bien voilà, voilà ce qui se passe. Mais je suis fatiguée de courir après ce fil, monsieur. J'ai perdu tout espoir, mon royaume est en ruine et nous marchons depuis des jours. Je ne sais pas ce que j'ai manqué dans mon éducation. Je ne comprends pas ce qui ne va pas, Sibylle. Je ne comprends pas. Vous fuyez les choses, les responsabilités. Vous fuyez la droiture morale. Je suis extrêmement déçu. Et soudain, premier lancé, où vous tombez sur une rencontre étrange. Les mettre en scène. Non. Ah oui, vous êtes déçu ? Eh bien, moi, je suis pas déçu. Peut-être que vous soyez devenu cette horrible créature que vous êtes. Allez ! Oh mon Dieu ! Allez-y, vous êtes plus agile et plus petit que moi. Oui, que se passe-t-il ? Des gens, je suis tombé dans ce piège à ours. À l'aide. Mais est-ce fou? Oh mon Dieu! Je rends Sibylle. Mais c'est un civil! Vite, il faut l'aider! Attrapez ceci! Mais Bergeron, c'est trop tard pour moi! Il faut que vous sachiez que le fil n'est pas loin! Non, ne dis pas ça! Allez dans le sens du vent! Non, ne dis pas ça! Et le fil qui sauvera tout vous trouvera. Non! Oh mon Dieu! Monsieur! Quoi donc? Regardez! Dans sa laine! Il y a un indice. Oh, je suis le fil magique. Ce n'est pas qu'un indice, c'est le fil lui-même. C'est le fil lui-même. Mais non, espèce d'idiot, je ne suis pas le fil lui-même. Je suis le fil magique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis là parce que je fais partie du fil magique. Oh mon Dieu, il est en plusieurs parties. Un humain dans un corps d'écureuil, comme c'est étrange. Un bout de laine qui parle. Oh, j'imagine que vous ne voulez pas retrouver votre corps si c'est comme ça. Très bien, dans ce cas, je ne vous indiquerai que la quête principale. Le fil magique, pour retrouver le fil magique, allez dans le sens du vent pendant encore 20 oises, et puis toquez, et vous trouverez. Waouh ! Vous avez entendu ? Vous pourrez peut-être retrouver votre corps ! Mais j'ai entendu. Mais le veux-je vraiment ? Je ne suis pas sûr. Tout ce que j'entreprenais tant que j'étais un humain, échoué dans les conditions les plus catastrophiques. Tout ce qui me reste de mon humanité, c'est cette débâcle que vous êtes, Sibylle. Oh, mais eh bien, si c'est comme ça, je vais aller toute seule dans le sens du vent si vous êtes désagréable. Ah oui, Sibylle, vous allez aller toute seule. Ah ben, je suis curieux de savoir ce que vous avez réussi à foutre en l'air en allant toute seule. Eh ben, je croyais que c'était vous qui foutiez tout en l'air avec votre malchance, hein. Ah oui, mais moi, j'essaye de faire bien. Il y en a d'autres, ils font de la merde sans l'essayer. Soit ! Alors que vous vous disputez, nouveau lancé, et un épais brouillard se lève. Tellement épais que même Sibylle et Monsieur qui se trouvent pourtant à 2 ou 3 mètres l'un et l'une de l'autre n'arrivent plus à se voir et commencent à entendre des bruits étranges autour d'eux. Ah, pas ça, je vais dans le sens du vent. C'est ça, oui. Non, mais tu dois pas avoir peur. Je n'ai pas besoin d'aller chercher monsieur. Ce n'est qu'un brouillard. Ce ne sont pas des écureuils domestiques.
ce ne sont pas des canards dressés, tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Dans le sens du vent, dans le sens du vent! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh. Qui? Tu parles pas? Oh. Qui? Une corinomité qui parle pas. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que toi tu veux? C'est toi qui es sur mon territoire. Je ne fais que suivre une assistante dans l'espoir qu'elle arrête de semer le chaos et la zizanie. Ton assistante? Oh. Toi aussi tu es un humain dans un corps d'écureuil domestique? Je pensais être le seul. Oh, toi aussi, tu es le fruit des expériences du médecin au vin. Oui. Oh là là, les gars, il y en a un autre. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Comment? Oh, enfin, j'ai suivi le sens du vent, j'ai fait toutes les instructions, et le voilà, le fil. En effet. Tout était en place pour un final absolument épique. Il n'y avait plus qu'à lancer une petite pichenette du destin pour que tout se mette en branle. Et c'est ce que nous avons fait dans l'épisode 6, le dernier épisode des aventures de Sibyl et Monsieur, où nous retrouvons cet improbable et attachant duo qui s'est réuni après leur quête personnelle pour lancer l'attaque sur Sibyl. La capitale du royaume Ovin tombée aux mains des hordes manchots venus du nord. Bon dernier épisode, bon pop-corn, et à très vite. Sibyl, croyez-vous vraiment que c'est une bonne idée de m'attacher à la catapulte? Mais évidemment que c'est une bonne idée! C'est toujours comme ça qu'on gagne les guerres, en sacrifiant les meilleures parties et les meilleurs éléments! Sibyl, voyons, j'entends que vous n'avez pas beaucoup de ressources, mais quand même, les écuries domestiques sont mon pote, vous n'allez pas tous nous projeter sur la muraille! Mais vous êtes si inutile et si laid! Et puis le fil d'or me l'a dit dans mon oreille. Il m'a dit, attache les écuries domestiques et toutes les créatures que tu détestes, et les moutons vaincront! Je vois qu'il n'y a... Il est impossible de raisonner avec vous. Eh bien alors, allez-y, appuyez sur le levier, projetez-moi sur la muraille que je fasse un petit éclat de fourrure et de tripes rouges et sanglants. Et c'est l'heure de lancer le premier dé de la partie. Est-ce que Sibyl va réussir successivement à lancer Monsieur contre la muraille? Eh bien non. Mais il va arriver quelque chose de positif, c'est qu'en fait, Sibyl va lancer Monsieur trop haut. Et Monsieur va pénétrer dans les défenses manchottes d'une manière tout à fait subreptice. On continue. Attention, je coupe le fil dans 3, 2, 1, snip! Les autres écureuils aussi! J'ai survécu. Monsieur, est-ce que ça va? Ça va? Où sont les autres? Oh non! Nous sommes là. Oh, des nôtres ont été réduits en bouillie. Vous voyez, c'était une erreur de suivre Sibyl. Je vous l'ai dit depuis le début. Vous n'auriez pas dû me ramener à elle. En attendant, nous sommes là. Il faut que nous en sortions. Assassinez le roi manchot! Assassinez-le! Elle vient de dévoiler notre plan à tout le monde, c'est ça? Oui, oui, en fait. Voyons, les morceaux sont là! Vite, vite! Est-ce que Monsieur et ses autres écureuils domestiques parviendront à vaincre commando. La légion de gardes prétoriens manchots? Non! Ben, non seulement. Surprenant, tiens. C'est les dés qui décident. Ouais. Non, et non seulement vous n'y arrivez pas, mais vous allez être faits prisonniers tous. Et pendant ce temps-là... Tu as bien fait, Sibyl. J'ai bien fait. Oui, maintenant, les écureuils domestiques sont hors de notre chemin. Oh, je le savais, Fildor, je le savais. Grâce à toi, je vais supplanter tout le monde et les moutons seront la seule espèce qui restera avec moi, dernière humaine, et Monsieur. Sibyl, il faut que tu lances l'assaut à présent que la garde prétorienne est occupée par les écureuils domestiques. Évidemment, Fildor. Belle trois fois, Sibyl.
et le grand mouton répondra. Si ton bêlement est assez bon. Je m'en vais bêler. Belle ! Belle ! Belle ! Est-ce que le bêlement est assez bon ? Oui, le bêlement est assez bon. Et le grand. Tu dis un cheval, mais c'est pas la fin. Oui, eh ben écoute, c'est pas nous qui jugeons, c'est les dés. C'est le grand mouton. Et le grand mouton va répondre. Qui m'appelle ? Votre humble servante, grand mouton, rejoignez les écureuils domestiques et détruisez le roi manchot. Quoi ? Détruire la ville ? Je jurais que plus jamais je n'userai de violence ! Mais c'est pour la domination des moutons sur le monde entier ! Et tout ne sera que coton, lait et douceur ! Non, dans ce cas, je peux téléporter votre armée de moutons à l'intérieur ! Oui ! Pendant ce temps-là, dans les geôles des manchots, Monsieur, monsieur, qu'allons-nous faire ? Il n'y a plus rien à faire. Comment ? Sibyl est ingérable. Vous laissez le désespoir vous envahir ? Pas le désespoir. C'est l'inverse. Une force de décision implacable. Oh, nous devons arrêter d'essayer. Nous devons espérer que Sibyl se casse les dents sur la muraille ou se torde la cheville et se cogne la tête contre un caillou en tombant. Qu'elle soit mise hors d'état de nuire, mais nous ne pouvons rien essayer. Il faut attendre que seul le destin s'en charge. Est-ce que le destin s'en chargera ? Est-ce que, par le renoncement à l'essai, monsieur, monsieur va finalement accomplir quelque chose et réussir ? Eh bien oui ! Ouah ! Oui ! Il y arrive. On continue. Ah ! Mais... Ces écureuils sont bien silencieux, je vais aller voir ce qui se passe. Alors les écureuils, qu'est-ce qui... Vous ne faites plus rien. Vous n'essayez pas de... Non, arrêtez, non, je... Oh, la force de votre décision de ne rien faire me... Et la porte vient de s'ouvrir alors que, très étrangement, le manchot s'est étranglé dans sa propre salive. Allez-y, oh, allez-y, monsieur. Moi je reste ici. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Je ne dois plus rien faire, juste espérer, attendre et accepter, me plier aux vagues du destin comme un roseau sous le vent. Et nous revenons à l'assaut de Sibyl une fois qu'elle s'est téléportée proche de la salle du trône. Ah, nous y voilà ! Il est temps que je détruise toutes les pierres et tous les manchots ! Sibyl ! Vive la bergeronne ! Vive la bergeronne ! C'est moi ! Fuis-moi ! Et... Mais quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Non, arrêtez ! Est-ce que l'assaut de Sibyl sera victorieux ? Oui ! L'assaut de Sibyl va réussir, elle va parvenir à renverser le grand manchot. C'est parti ! Grand roi manchot, vous voilà enfin. Sibyl. Oh, vous avez la même voix que le dieu des moutons. C'est très étrange. Mais pas du tout, voyons. Je vais vous vaincre, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas avec votre voix charmeuse de mouton que je ne vais pas vous exécuter, grand manchot. Sibyl. Oui, Fildor. Tu dois frapper dans son point faible. Bien entendu, c'est son bec. Non, Sibyl. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il attend que tu fasses. Oh ! Lance des glaçons par la fenêtre. Il sera attiré par le froid, devra les suivre. Sibyl, c'est ça, le seul point faible des manchots. Merci, grand Fildor, merci. Alors, Sibyl, viens, affronte-moi. J'allais... Frappe mon bec, si tu veux. Je vais frapper ton bec, mais d'abord... Skunk ? Qu'est-ce que... Des glaçons dans ma poche. Oh, c'est beau, ça luit, ça coule. Et regardez. Non, oh, mon sang me pousse à sauter par... Oh, oh, par-dessus la muraille. Je saute.
Et voilà, l'assaut de Sibyl sur Cybèle a été couronné de succès. Monsieur s'est retranché dans une transe méditative pour éviter de tout échouer. Et c'est ainsi que se termine la première saison des aventures de Sibyl et Monsieur. Est-ce que ce duo improbable reviendra ? Est-ce que d'autres aventures JDR se lanceront dans le Ovinverse ? Eh bien, pour tout cela, je vous invite à ne pas manquer la saison 4 dont n'a rien préparé qui commence en octobre. D'ici là, il y aura d'autres flashbacks de l'été pour vous aider à vous remettre dans le bain tranquillement, apprivoiser le petit spleen de la rentrée et à nous retrouver bientôt toujours plus fous et plus folles, toujours plus généreux et généreuses et surtout prêts et prêtes à vous en mettre plein les oreilles. En attendant, vous connaissez la ritournelle, si vous en avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip, n'hésitez pas à parler d'On n'a rien préparé autour de vous, à vous abonner, à envoyer des cœurs, des étoiles, des pouces bleus et tout autre moyen de mieux nous référencer sur Tutti Quanti. Merci à vous pour votre fidélité, à très vite, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à bientôt. 1, 2...